déclaration obligatoire. Une incompatibilité n'infringe pas ce système de corps. Se produit après transfusion de concentré de globules rouges. Le concentré standard, le
dans ton cœur. J'ai quelqu'un qui a envie de te dire. Donnez pour Christa. Quelqu'un qui a envie de dire original. Est-ce que je peux utiliser les produits Star? Ah, je m'appelle les produits là, les produits Star. Est-ce que je peux utiliser des immunoglobulines? Est-ce que je peux utiliser de l'albumine? Oui, l'albumine n'est pas contaminée, elle n'est pas contaminée. Hein? Elle n'est pas contaminée par les immunoglobulines. Est-ce que je peux utiliser les fractions coagulantes? Dans la concentré de livre, la biogène, bien sûr. Parce que je sais pas, il y a tous les immunoglobulines que je ne peux pas transfuser chez quelqu'un qui a un déficit immunitaire. Un déficit immunitaire, pourquoi qu'il soit en contact avec un produit qui contient des immunoglobulines A? Ben, n'importe. Comment je vais prévenir un accident par déficit immunitaire? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi donner des substances de l'hydrogène sanguin où il y a une contamination? Est-ce que le concentré de globules rouges, comment je vais les transfuser comme ça? Comment je vais faire pour pouvoir transfuser des rouges? Comment je déplace mes pistes? Je lave les rouges. Je dilue, mais j'ouvre la poche, je mets du sérum physiologique, hein, et je fais une sonde de ventilation, j'enlève, je lave deux fois, trois fois, comme ça, j'enlève le contaminant. Les plaquettes. Est-ce que je peux laver les plaquettes? Bien sûr! Bien sûr. Est-ce que je peux laver le plasma? Non. Donc je peux laver le concentré de globules rouges, je peux laver les plaquettes. Pour le plasma, je ne peux pas transfuser du plasma. Je n'ai pas de possibilité de transfusion du plasma. Comment je fais? Si j'ai besoin à le transfuser par du plasma, comment je vais faire? J'utilise des produits stables. L'albumine, par contre, je ne fais pas de coagulant, mais je n'enlève pas d'immunoglobuline ni spécifique, ni pour les membres. Les immunoglobulines sont contre-indiquées. Tu as mis? Bien. L'immunisation en quitté. Merci. Alors, tu as encore cet exercice. Quelles sont les indications de mon quitté? En fait, je donne des camarades immunoglobulines en quitté. Qui a donné naissance à un bébé résus positif. Ouais, elle a une femme résus négative qui a fait des fausses couches, un avortement, ouais, elle a des manœuvres, hein, quelques biopsies thromboplastiques, ou la ponction hydraulique, ou la cathétérise de vaisseaux, hein, tout ça pour qu'il y ait une couverture par des antigènes. Je suis toute femme résus négative. Il y a une troisième indication. Après une transfusion de plaquettes, en prévalence d'un donneur résus positif. Donc une transfusion de plaquettes chez un receveur résus négatif se concentrer en prévalence d'un donneur résus positif. Allez, parce que après la connaissance de l'éducation, le PLP de plasma échange plaquette, il est quand même contaminé par quelques globules. Après le résus, il est électrocyté, il n'est pas plaquette. Donc lorsque je fais le transfert du plasma et du champ plaquette dans la visière poche, certainement il y a quelques globules rouges qui partent dans la visière poche et qui contaminent le concentré plaquette. Donc pour éviter la non-immunisation sur les récepteurs, parce que concentré plaquette prélevé chez un tas d'honneur du dispositif, il faut que je fasse une injection de gamma globule. C'est la troisième indication de l'immunisation en plus. Je termine. Donc les femmes négatives, avec bébé positif ou bien des manœuvres, hein, doit y mettre une transfusion de plaquettes. Est-ce que si maintenant une autre indication, pour les séparer, quelqu'un qui est négatif, par erreur, je l'ai transfusé par bébé positif. Est-ce que je me permets de la donner injectée? Non. Si par erreur je transfuse quelqu'un qui est négatif par bébé positif, si j'injecte de l'antigène, je dois faire l'accident politique. Je vais reproduire l'accident. Donc c'est non. Femme résus négatif qui accouche un résus positif, oui. Résus positif qui accouche non pas du tout. Résus négatif qui subit une hémorragie interne. Résus positif après avortement, non. Transfusion de plaquettes en provenance d'un donneur résus positif, oui. C'est un résus bien sûr.
Derby, avion, journaliste, ici ou ici, ou bien les anti-1 qu'on avait vu tout à l'heure, 1-1-2 qui développe les anti-1 à la suite de cette conclusion-là. Hein, ça fait partie des complications dans le système avion. Résus maintenant. C'est la normalisation, et derrière, il y a toutes les complications derrière de grossesse ou bien de transfusion intérieure, donc accident hémorragique par la suite. Ou bien le problème de maladie hémorragique. Voilà. Les implications de l'immunothérapie, ça y est, quand je vous fais. Maintenant, la transmission infectieuse. Un concentré de globules rouges transmet le HBS, HIV, la syphilis, l'HDL bien. Allez, je m'en passe. La syphilis. Le HDL bien. Le CMV. Allez, je m'en passe. Le HDL bien et le CMV sont des gènes intra-leucocytaires. Donc, s'il s'agit là d'un concentré de globules rouges standard pour la leucocyte, ces deux gènes se transmettent. Dès qu'il y a un concentré de globules rouges des leucocytes, là on n'a plus de leucocytes, donc il n'y a pas de risque de transmission à tel bien, si un B. Parce que tel bien, si un B, sont un tel leucocyte. Dès qu'il y a une reproduction qui ne comporte pas de leucocytes, on n'a pas de transmission, ni de tel bien, ni de si un B. Un même des leucocytes ne peut pas. S'il s'agit d'un concentré de globules rouges standard, projet et siècle. Dès qu'il y a un concentré de globules rouges filtré, les trois premières propositions, oui, les deux dernières, c'est l'enfant. Fermé. L'HDL bien se transmet par le concentré de globules rouges. Standard. Pourquoi est-ce qu'on voit là? Standard. Le concentré de plaquettes. Standard. On a besoin de leucocytes pour la dire bien. Le PLC, jamais. Est-ce que le PLC, on transfuse sur la base de la compatibilité résus? Résus, c'est un même. Hein? Est-ce que dans le PLC, il y a des rouges? Donc, seulement la compatibilité à bio. Il est assimilé et par conséquent, il ne transmet pas aussi l'HDL bien. La séroté.